pourquoi on doit porter un costume, déjà? Bah, pour passer inaperçu. Ah ouais. Hop, et pour vous... Hop, whisky... Ah, excusez-moi. Et un coca pour le jeune homme. Vous voulez une paille? Ouais, si vous plaît. Ouais, ça marche. Ah, super. On reprend le plan de dernière fois, d'accord? Ok. Tata déménage dans une semaine. Ses affaires sont déjà emballées, presque on les embarque. Je sais où est-ce qu'elle planque le fric. Donc, dès qu'on rentre, on récupère tout et on se tire. Mais t'es sûr que ce sera au même endroit? Bah ouais, elle a toujours mis là. Est-ce qu'elle aurait bougé? Ouais, t'as raison. Réfléchis. Bon, dès qu'on arrive en bas du bâtiment, rassure-moi. Tu as trouvé le digicode? Justement par rapport à ça... Ah, je t'en ai trouvé le code. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. T'as pas réussi ou t'as pas essayé? Ok, je suis désolé. Je vais m'en occuper. Bref, on s'y remet maintenant. Mais trouve-le-moi rapidement, c'est important. Là, c'est la partie qui se corse. Dès qu'on arrive en bas de l'immeuble, faut laisser aucune trace. Aucune. Mais qu'est-ce qu'on fait si la voisine d'en bas nous voit? Je sais pas, moi, t'as qu'à faire un scrabble avec elle. T'as qu'à lui parler. Mais je vais lui dire quoi? Il fait chaud pour un mois de mai, hein? Pourquoi c'est toujours à moi de faire le sale boulot? Arrête de te plaindre. C'est mon plan. C'est moi qui décide qui fait quoi. Je suis pas ton larbin, ok? Oh, mais je t'en prie. Si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'écoute. Mais tu penses le trouver comment, le pendentif? Tout seul? Là, c'est la partie la plus simple. On a juste à faire ce qu'on a dit, on récupère ce qu'elle a pris à maman, et terminé. Ok? Prêt? Prêt. Je t'emmerde. Qu'est-ce que t'en fais du pendentif et de l'argent, hein? T'imagines ce qu'on pourrait faire avec ce fric? On pourrait payer un voyage à maman. Allez, reprends-toi. Moi aussi, je t'emmerde. Ah, Aurélien ! Toi aussi, je t'emmerde.